Alors bonjour tout le monde, ben là, petite vidéo de prédiction avec un petit café. Je voulais féliciter, alors c'est Horror Modding qui est le 3700e abonné. D'ailleurs, je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus à me suivre. Ça me fait plaisir, ça prouve que je me trompe pas. Alors quand la semaine dernière je parlais de violence, si on regarde bien, c'est pas les manifestants qui sont violents. C'est malheureusement nos chers et tendres CRS, policiers, etc. Là, ce week-end, tout le monde dit, les journaux disent, oui, mais il n'y avait plus beaucoup de monde. Bah, Castaner, c'est visité que je sais plus combien, 2000 et quelque chose, ou 22 000 dans toute la France. Le problème, c'est que si vous regardez ce qui s'est passé sur Paris, ils se sont arrangés à faire des petits groupes. Il y en avait à l'Opéra, il y en avait bloqué à l'Opéra, il y en avait bloqué aux Champs-Élysées, il y en avait bloqué un peu partout. Il y avait quand même 8 000 CRS et policiers partout. On me disait, ouais, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Il faut savoir que depuis le 17 novembre, il y a eu plus de 850 blessés avec des gilets jaunes. Il y a eu au total 8 morts. Ça commence à chiffrer quand même. Malheureusement, bon, de toute façon, ça va continuer. On verra ça après au deuxième tirage. On va faire sur les gilets jaunes ce que ça va donner. Je disais aussi il n'y a pas longtemps que la police allait nous rejoindre. La preuve, ils vont commencer l'acte 1 chez eux le mercredi soir le 20 à 20h30 dans le 8e. Ils vont manifester, ils vont faire un sitting devant je sais plus quel truc, le ministère de je sais plus quoi. Mais voilà. Ah, je voulais vous faire voir un truc parce que. Un bureau de papa poule, hein, comme on dit. Voilà, j'ai les petites décorations que de son calendrier de l'Avent. Il s'amuse à mettre tout ça sur mon bureau. Voilà ce que ça donne. Heureusement que j'ai un bureau assez grand. Donc voilà. Bon, je vous fais pas voir le sujet à Virginie, c'est encore pire. Parce que là, elle a des Lego, elle a le Rubik's Cube, elle a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une casquette, enfin bref. Voilà, c'est le bazar. Mais bon. Alors, on va commencer par déjà la France, voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, hein, je mélange. Alors, Loïc, Traca, Yolette, Brigitte m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous avons les amants en vert. Frédéric, Christiane m'ont donné le 8. L'empereur, en droit. C'est vrai que. Notre cher et tendre empereur commence à être de plus en plus détesté. En même temps, il est détestable. Mais ça, c'est mon opinion. Laurent, Davy, Cindy, Karina, Nikki, Christophe, Osner m'ont donné le 3. Le battleur en droit. C'est vrai qu'il y a du boulot pour le faire virer, lui. Marie-Jo, Edouard m'ont donné le 2. Le pape, en droit. Jérémy, Kevin, Anne-Marie m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 13. La tempérance, en vert. Jean-Pierre, Béatrice, Aline m'ont donné le 9. Le monde, en droit. Ça, c'est intéressant parce que. Ça prouve qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Ah, ma webcam qui est floue. Bougez pas, je vais régler le problème. Hop. Voilà.
C'est mieux comme ça. Donc le monde en droit. Ça veut dire, pour moi, ça, cette carte-là, c'est très important parce qu'il y a une ouverture sur le monde, il y a un travail à faire et l'ouverture sur le monde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi, je suis un peu paumé. Jérémy, Christian, Marie-Thérèse et Violette m'ont donné le 18. Les étoiles en vert. Frustration. Vous voyez qu'en même temps, on a l'empereur qui est là, les étoiles à l'envers qui est là, avec le pape qui est là. C'est vrai que monsieur agit. Voilà. Lily, Marc Isabelle et Hubot m'ont donné le 17. La tour en vert. Il y a effondrement de quelque chose. Kate, Marie-Laure, Pascal, Wanergue m'ont donné. Waneg, pardon, m'ont donné le 15. Le pendu en droit. Alors, qu'est-ce que je conclus, moi, là-dedans? Bah, je conclus que les manifestations vont continuer à se faire, que, comme je disais tout à l'heure, hein, la police, les syndicats de police commencent à en avoir ras-le-bol et donc vont nous rejoindre, quelque part dans le mouvement. Juste un truc, j'ai vu hier des gendarmes qui sont venus, qui sont passés. J'ai discuté un petit peu avec eux et ils m'ont fait très bien comprendre qu'ils en avaient franchement ras-le-bol aussi, les gendarmes. Ils disaient carrément, on aimerait pouvoir passer du temps avec nos familles. Ça veut tout dire, hein. Il y a, voilà, donc moi je suis sûr et certain que la police va s'y mettre sérieusement parce qu'ils veulent passer à l'acte 1 et là ça commence à partir du mercredi, comme je l'avais annoncé, hein, que les policiers allaient rejoindre. Moi je suis sûr et certain que la prochaine manifestation, à force de foutre la pression sur les CRS et puis les policiers qui commencent à en avoir ras-le-bol, hein. C'est très très dur pour eux. Il y en a qui ont un exemple, il y en a qui ont 15 jours, qui n'ont pas arrêté depuis 15 jours, qui n'ont pas eu une seule journée de repos en 15 jours. Hein. Ils sont crevés. Sachant qu'en plus, ils doivent 25 millions d'heures. C'est énorme, 25 millions d'heures. Sup. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, il y a une grosse frustration de la part de M. Macron parce qu'il voit que. Les gilets jaunes ne lâchent rien, que la police arrive en plus, que l'armée s'y met aussi, puisque l'armée, j'ai vu ça, plusieurs généraux ont envoyé une lettre à Macron. Donc là, il y a vraiment une révolution qui est en train de se passer. Comme je le disais depuis un certain temps. D'ailleurs, quand vous savez que M. Macron a un hélicoptère qui l'attend, en cas où. Dans la cour de l'Élysée, s'il y a un problème, qu'il puisse se barrer vite fait, bien fait. J'ai l'impression de voir Louis XVI là, quand il s'est barré à Varennes. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression de voir la même chose. L'histoire se répète quelque part. Bon, Marie-Antoinette, on veut du pain, on veut du pain, mais ils ont qu'à manger de la brioche, hein. Mais là, à mon avis, Brigitte Macron, c'est pas ce qu'elle va dire. Ou alors, si elle le dit, elle est mal barrée, quoi. Mais bon, ça, c'est ma façon de penser. Excusez-moi. Brigitte Macron devant sa fenêtre. Ah, bah, ils ont faim. Ils n'ont pas de pain. Bah, ils ont qu'à manger de la brioche. Hein. Et ma main dans ta gueule, connasse. Donc, voilà. Donc, moi, je vois que le mouvement va continuer, va perdurer. Alors j'ai vu un truc qui m'a bien fait rire aussi.
ce matin. C'est une chaîne indépendante qui l'a mise. Où Le Point se dit, s'il y avait les élections maintenant, les élections présidentielles maintenant, Monsieur Macron passerait avec encore plus de voix. Ça m'a franchement, mais j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça, quoi. Sachant qu'en plus, quand on sait que ils sont tous subventionnés, là, Monsieur Macron a fait un cadeau fiscal d'énorme aux télévisions et radio, 50 milliards, 50 milliards de cadeaux fiscaux. C'est pas mal, hein. Mais bon, donc là, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se met en route et que ça va. Moi, je suis sûr et certain que Monsieur Macron va être obligé de donner sa démission. C'est pas possible autrement, quoi. Parce que là, si vraiment il y a encore les CRS et puis les. Parce que la violence que je parle ne vient pas des gilets jaunes. Là, ce week-end, on l'a encore vu ce week-end. Ça vient des CRS qui bloquent tout le monde, qui gazent à tout va, qui utilisent des grenades dispersantes qui ont encore fait des blessés. Et puis, alors, la matraque, ça y va gaiement, quoi. Par contre, hier soir, c'est ça qui est étonnant, hier soir, il y avait 200 à 300 immigrés illégaux qui ont voulu rentrer à l'Académie française, non pas l'Académie française, je sais plus où, à Paris. Il n'y a pas eu un seul envoi de gaz lacrymogène, ni de coup de matraque, ni quoi que ce soit, hein. Ni de flashball. C'est étonnant quand même. On tape sur les gilets jaunes, mais pas sur les immigrés illégaux. C'est pas du racisme, hein. C'est juste la logique, quoi. Donc voilà. Donc moi, voilà, Monsieur Macron est de plus en plus frustré et il sait très bien qu'il a très bien compris que de toute façon, personne lâchera l'affaire. Il y aura encore plus de monde qui iront à l'encontre de. Merci mon cœur, qui iront à l'encontre de Monsieur Macron et de la politique de Monsieur Macron. Donc voilà. Je vais peut-être faire une petite la deuxième le deuxième tirage, je vais peut-être faire sur l'Europe, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais grosse manif à Bruxelles, devant le Parlement européen, contre le pacte de Marrakech. Donc je vais voir ce que ça donne. Cache la cigarette. Faut pas la voir. Allez. Alors par contre, oui, c'est ce que j'ai entendu hier à la télé. De temps en temps, j'écoute quand même la télé. Oui, à cause des gilets jaunes, il y a eu un accident grave, il y a un mort, etc., etc. Quelqu'un qui a voulu faire demi-tour, à première vue assez brutalement, et s'est bouffé un camion. Le seul problème, c'est que la personne, quand ils ont fait un test d'alcoolémie, il avait 1,5 g dans le sang. En même temps, personne lui a ordonné de faire demi-tour avec sa voiture et puis se bouffer un camion. Alors, et puis bien entendu, les journaux ont mis ça sur le dos des gilets jaunes. Michael, Nicole, Émilie, Dominique, Marie-Christine m'ont donné le 12. 11, 12. Donc on va faire sur l'Europe. La tempérance envers. Muguette, Corentine, pardon, Karine, Timel et Véronique m'ont donné le 6. La lune en verre. Yod Martine Audi, qui est nouveau ou nouvelle, et qui me suit d'Allemagne. J'ai vu ça tout à l'heure. Et Dorothée m'ont donné le 5. La force en verre.
Bérangère, Françoise, Christelle, Jaja m'ont donné le 7. L'empereur, Endroit. Denise, Lily, Marino et Nemo m'ont donné le 11. La papesse en vert. Ça, c'est Merkel, ça. Violette, Franck m'ont donné le 4. La mort en vert. Silasol, Azu, Annie et Marie m'ont donné le 22. La justice en vert. Corinne m'a donné et Monique m'ont donné le 1. Le monde en vert. Béatrice, Sabrina, Jean-Luc, Monique m'ont donné le 10. Et le pape en droit. Je remercie Aurore qui m'a donné le 20, Lynn qui m'a donné le 14 et Isabelle qui m'a donné le 21, mais j'en avais assez donc j'ai pas pu me servir de vos chiffres. Alors au niveau de l'Europe, qu'est-ce que je vois? Que pour l'instant il n'y a pas de changement. Mais on va dire à long terme, il va y avoir un changement de politique au niveau de l'Europe. Ça va pas être tout de suite, mais moi, j'ai le sentiment, et je m'en aperçois de plus en plus, qu'au niveau européen, tout ce qui est, on va dire, extrême droite, façon de parler, va s'imposer. Et va imposer des règles complètement différentes. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat, ça sera malheureusement d'ici un an. Mais je donne encore grand maximum un an à l'Union européenne telle qu'on le connaît maintenant. Mais il va y avoir des personnes qui vont imposer leurs règles. Vous devinez qui c'est, hein, c'est les grosses oligarchies style Bayer, Monsanto, les gros machins pharmaceutiques, ceux qui gagnent des milliards par mois et qui veulent imposer leur façon d'être. C'est pour ça que le traité de Marrakech a été signé, hein, on va pas se voiler la face. C'est tout simplement pour avoir de la main-d'œuvre à bon marché et pouvoir encore gagner plus d'argent. Le gros problème, il est là, c'est qu'il y a souvent, malheureusement, des sociétés où il y a des actionnaires qui en veulent toujours, 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 toujours plus. La preuve avec, comme je le disais dans une vidéo, la preuve avec Philips, hein, qui a préféré délocaliser en Yougoslavie. Pour payer des gars 300 euros pour fabriquer la même chose qu'en France. Et ils ont mis 4 000 personnes au chômage. Voilà. Et ça, ça vient de l'Union européenne, hein. On a ouvert les frontières et ça a été catastrophique pour la France. Donc moi, je vois un effondrement de tout ça. Je vois un changement. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes en France qui veulent le Frexit, hein, qui veulent quitter l'Union européenne parce que ça devient de pire en pire. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il y a la commissaire ou je sais plus quoi de l'Union européenne qui disait, mais maintenant c'est simple, c'est nous qui décidons et pas les pays. Les pays, ils ont juste à suivre nos instructions et point. Donc, en fin de compte, Macron, c'est quoi? C'est une marionnette de l'Union européenne. Et ça, tout le monde le sait. Et tout le monde l'a compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les gilets jaunes en France, en Espagne, etc., etc. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Espagne, elle, a très bien compris le principe de base. Ils augmentent le salaire minimum, le SMIC là-bas en Espagne, de 22% directement. Et c'est logique. Si vous gagnez plus, vous consommez plus, ce qui relance l'économie du pays. Voilà.
Ça, à mon avis, Macron l'a pas compris. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pour ça que je dis que les gilets jaunes, bon, il y a aussi en Allemagne où ça commence à se faire entendre les gilets jaunes. Il y a aussi en Belgique, il y a bon, l'Italie, l'Espagne, il y a je sais plus aussi quelle Ukraine ou je sais plus quoi. Enfin, il y a plusieurs pays où le système des gilets jaunes commence à se développer. C'est pour ça que je vois un éclatement total de l'Europe, mais ça sera, on va dire, à long terme. Voilà ce que je voulais dire en voyance. Alors je rappelle que le site cabinetmedium.fr est ouvert. Je vais vous remarquer les dates, les heures d'ouverture, etc. en bas, en petit commentaire. Et alors je préviens tout de suite aussi qu'à partir du 11, le 21 au soir, après les heures habituelles, c'est-à-dire 23h minuit, on est fermé 15 jours. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Et puis bon, il y a les fêtes, hein. Et on a besoin de repos, parce que depuis le 1er janvier, on a pris en tout et pour tout 2 semaines de vacances. Avec bébé qui, pour l'instant, nous fait une vie pas possible. Là, ça fait plus d'une semaine où ça dure. Monsieur, bah, il est réveillé à 6h30, 7h moins le quart du matin. En l'occurrence, ce matin, 7h moins le quart, il était réveillé. Vous imaginez un peu les heures que ça nous fait dans la journée, hein. Sachant qu'on est ouvert jusqu'à 23h, voire minuit tous les soirs. C'est un peu long, quoi. Donc voilà. Donc bah, je vous dis, le site est ouvert cet après-midi à partir de 14h. Donc si vous voulez faire notre connaissance, discuter avec nous, c'est pas obligé de prendre de la voyance, hein. Juste discuter avec nous, et ben venez, il n'y a pas de souci, on pourra discuter de tout et de rien. Vous verrez, c'est assez sympa. Sur ce, peut-être à cet après-midi.